Le portrait du roi Charles III d'Angleterre a été pris par le photographe Hugo Burnand. Ce n'est pas la première fois que Hugo Burnand photographie un événement royal important. Le photographe du portrait officiel de Charles III fait part de son gros regret à Hockey. Le couronnement du roi Charles III d'Angleterre, 74 ans, s'est déroulé sans accroc, le 6 mai 2023. De nombreuses photos des moments forts de cet événement historique ont inondé les médias et la toile. Les portraits officiels du couronnement du roi d'Angleterre étaient la part belle du photographe royal Hugo Burnand. Le photographe britannique d'origine française, âgé de 59 ans, a accordé une interview au magazine Hockey. Hugo Burnand raconte avec joie les moments forts du déroulé de son rendez-vous historique avec Charles III au palais de Buckingham. Hugo Burnand, rappelle le magazine, est un habitué des membres de la famille royale. Si est-il lui qui avait photographié les mariages du roi Charles III et de la reine Camilla d'Angleterre, 75 ans, ainsi que du prince William et de Kate Middleton. Hugo Burnand touche un mot au sujet du sens de l'humour du nouveau monarque britannique, mais a refusé de partager avec son interlocuteur une blague que le roi d'Angleterre aurait partagée avec lui. Oui, mais je ne peux pas vous dire laquelle. Je pourrais vous faire tomber de votre chaise, acquiesce-t-il en répondant à la question à propos du fait que le roi Charles III d'Angleterre a partagé une blague avec lui. Le rendez-vous de Hugo Burnand avec le roi Charles III s'est ainsi déroulé sous le signe de la bonne humeur. Charles III, c'était l'une des règles confie le photographe du roi d'Angleterre son seul regret, confia Hugo Burnand à Hockey, si est-il de ne pas avoir pu capturer son propre reflet dans l'orbite du roi d'Angleterre. C'était l'une des règles, je devais me mettre en scène. Mais j'ai pris la photo avec un objectif assez long et j'étais si loin que je me suis dit qu'il fallait que je dépasse cette ambition personnelle. La seule façon d'y arriver, si est-il de tricher, explique le photographe de Charles III d'Angleterre. Tricher, il ne voulait pas car il voulait rester authentique. Si est-il la salle du trône. Si est-il le roi. Si est-il ce que vous obtenez, il n'y a pas de fantaisie. Déclare-t-il avant d'ajouter « Je voulais vous montrer le vrai homme à la fin d'une très longue journée », montrant toujours son dévouement au devoir. À propos de l'auteur, l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologique, ce qui attend les balances au mois d'avril.